Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec TheTurf.fr. Alors, ce mercredi 28 décembre, une petite journée, hein, vous le voyez, une seule réunion pour les trotteurs au programme. Ce sera la deuxième réunion du côté de Pontchâteau. Vincennes qui est en petite pause avant un grand week-end qui nous attend en tout cas. Voilà, je me suis intéressé à la plus belle de la journée, hein. Ce sera le Grand Prix Paris Turf, la huitième course du programme prévue à 15h53. Vous le voyez, support de Pick 5, mais également de The 5 chez notre partenaire. Des chevaudages, 250 000 euros. Le plafond avec un recul de 25 mètres à partir de 127 000 euros. Ils sont 18 hein, au départ hein, sur les 2800 mètres de cette piste de Pontchâteau avec un rendement de distance pour la moitié d'entre eux. 9 au premier poteau et 9 au deuxième poteau. C'est vrai que les meilleures candidatures, en tout cas au niveau des titres, se situent au second poteau. Mais moi, je me suis intéressé à ce numéro 8, hein, Figaro Gemma. J'aime beaucoup sa candidature. Il redescend nettement de catégorie. Hein. Vous allez le voir, la dernière fois, le lot était vraiment de qualité. Regardez, Gaspard de Brion, Gamin des Îles, Flamme Vive, Liberton ou encore Gold River. C'était vraiment du côté de Vincennes un très bon lot. Auparavant, il avait terminé quatrième, hein, toujours sur les podiums de Vincennes, derrière Fameux Saxe, Falco Fleury, Fly to the Moon. C'est vrai que sa tentative sera beaucoup plus. Enfin, son engagement sera beaucoup plus facile ce mercredi. Par rapport à la dernière fois où il avait ses cadets sur sa route, là, les 6 ans ne sont pas de la partie, du coup, c'est vraiment bien. Il est au premier poteau, il est très très bien engagé au premier échelon, c'est vraiment un avantage. Un cheval qui a vraiment des titres à faire valoir, et faudrait être fort quand même pour lui rendre 25 mètres. Robin Lamy qui lui sera associé. Bon, voilà, il y a Figolu Fraséen notamment avec Eric Raffin en deuxième poteau qui devrait être favori, tout comme Fame Music ou encore Fashion Touch. Du coup, je trouve qu'il devrait y avoir une cote assez alléchante, hein, sur ce Figaro Gemma qui, à mon sens, est capable de leur tenir la dragée haute et pourquoi pas même de s'imposer. En tout cas, moi, je le vois vraiment terminer dans les trois premiers, ce Figaro Gemma, mieux si affinité. Mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, la forme n'est pas forcément au beau fixe, donc on va espérer qu'il fasse l'arrivée. Ce sera déjà pas mal qu'il termine sur le podium. Donc voilà le conseil de jeu de ce mercredi 28 décembre. Ce sera du côté de Pontchâteau en réunion 2. Et ce sera donc le 808 Figaro Gemma à jouer de mon côté. 1 euro gagnant et 3 euros placés. Je vous l'ai dit, la forme n'est pas au beau fixe. Hein. Ce lundi, je vous indiquais Havana Moon du côté de Cagnes-sur-Mer, pardon, dans la quatrième course du programme. C'était la favorite, et bah écoutez, elle a été disqualifiée après enquête, elle avait terminé troisième malheureusement, elle a eu un bon parcours, elle avait les moyens de remporter cette course, malheureusement, elle n'avait pas les allures qui suivaient, le fait d'avoir été déférée, peut-être qu'elle avait les allures qui s'en sont ressenties, en tout cas, elle a été disqualifiée de la troisième place après enquête. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est encore une nouvelle fois un manque de chance, un manque de réussite, j'espère vraiment que la roue va tourner, parce que les chevaux que je vous donne, pour moi, avant le coup, ils ont vraiment une toute première chance. C'était le cas de cette Havana Moon. C'est le cas de ce Figaro Gemma. Et j'espère vraiment que la chance va tourner en cette fin de mois. Voilà, il nous reste encore quelques jours. J'espère vraiment, je croise les doigts pour que les chevaux aient le bon parcours et finissent dans les bonnes allures pour pouvoir nous permettre de réaliser de grandes performances. En tout cas, je vous remercie de m'être fidèle dans cette émission Un jour, un pari. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous le savez, nous sommes également en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.